Nous sommes là pour une opération de décontamination du grand marché de Bamako. Et comme vous le savez, depuis quelque temps, notre pays est engagé, fortement engagé dans la lutte contre le coronavirus. Et l'un des moyens les plus efficaces, c'est la prévention et surtout la salubrité. Donc nous avons aujourd'hui des concerts avec les éléments de la MINUSMA et toutes les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la garde nationale, la protection civile, aux côtés bien sûr de la direction générale de la santé, pour nettoyer le grand marché de Bamako. Alors cette opération consiste à pulvériser de fond en comble tout le grand marché. Nous avons réparti la mission en trois secteurs. La rue, l'artère qui passe par le Dawanani jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale, l'artère qui passe devant jusqu'à la cathédrale et voire jusqu'à la mairie centrale, et puis entre les deux il y a la rue qui passe qui traverse le grand marché, et dans les différents recoins là où les engins ne peuvent pas aller, nous avons des piétons. Nous avons mobilisé au moins 200 éléments sapeurs-pompiers à pied en plus des véhicules, avec des pulvérisateurs manuels qui vont rentrer dans les recoins où le véhicule ne peut pas arriver. Ce qui fait que, à l'issue de l'opération, nous aurons le grand marché complètement nettoyé et désinfecté dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et aujourd'hui, le grand marché de Bamako, vous savez qu'il concentre une population extrêmement importante. Et donc, assainir ce secteur-là, c'est un élément important pour essayer de détruire le virus et rompre un peu la chaîne de transmission. Donc aujourd'hui, vous voyez que nous avons pratiquement en appui les sapeurs-pompiers, plus de 120 hommes, l'amunissement, avec en appui les services de sécurité, la gendarmerie, la police, pour sécuriser les endroits et faire en sorte que si ces opérations, on allait les répéter de temps en temps, parce que Bamako, c'est l'épicentre de la maladie. Et donc si on arrivait à désinfecter régulièrement ces endroits, je pense qu'on pourrait freiner de façon importante l'avancée ou la propagation du virus.